Est-ce que vous ressentez des ondes positives dans les Vosges ? Plutôt positives, mais c'est vrai que quand même on s'en prend plein la figure là, toute la journée. Donc il y a aussi des petites interférences. Alors est-ce que le fantastique, c'est un genre très très vaste, hein, est-ce que ça vous attirait quand vous étiez enfant ? Oui, ça m'attire, bien sûr, évidemment. Non, mais je trouve que le fantastique, il y a quelque chose de... C'est aussi tous les excès, tout l'inconscient qui, tout d'un coup, on s'éloigne un peu des films, évidemment, réalistes, qui ne font que coller une réalité matérielle de tous les jours. Alors, le fantastique, on plonge dans toutes les pulsions inavouées, tous les cauchemars, les rêves, c'est extraordinaire comme genre. J'adore. Et à l'école, vous étiez plutôt ange ou démon ? Mi-ange, mi-démon. J'ai remarqué beaucoup de comédiennes étaient mi-ange, mi-démon à l'école. Hein. C'est vrai, non ? Pouvoir jouer sur les deux tableaux, c'est ça ? Oui. Ouais. Est-ce que la passion des planches vous a été transmise par vos profs, justement ? J'ai découvert au lycée par un professeur de français le théâtre, le fait de pousser les tables et tout d'un coup avoir un texte puis devenir quelque chose d'autre que ce qu'on est dans la vie de tous les jours. C'est un prof de français, ouais, qui me l'a. Et puis j'ai tout de suite fait, essayé, puis je me suis dit oui, je vais faire ça toute ma vie, quoi. C'est clair. Le ciné et la télé, c'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allé ? Non, moi j'y suis pas allée. C'était pas au début ma pensée, c'était vraiment le théâtre, quoi, le spectacle direct, vivant. Et puis, mais j'ai quand même passé des essais pour des. Je crois que oui, on m'avait repéré quand la première pièce que j'ai faite à 17 ans, que j'avais passé des essais. Puis petit à petit, oui, ça vient à l'esprit que c'est un autre monde qui s'ouvre. Le cinéma de genre est fait de codes. Ouais. Dans les films que vous avez vus là, est-ce qu'il y a des films qui vous ont rappelé un peu des films que vous avez vus dans votre enfance ? Oui. C'est vrai que tout d'un coup, quand on dit « Ah bah tiens, un film de zombies, ah bah tiens, là il y a le loup-garou ah », bah, bah, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui reviennent. Mais je ne pourrais pas vous dire quoi exactement parce que je n'ai pas une mémoire très... qui repère, qui met... Je n'ai pas une bibliothèque à l'intérieur. C'est une vision globale, peut-être, ouais. du film. Ouais. Ouais. Et la musique, est-ce qu'elle vous inspire au quotidien ? Ah oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai un père violoniste, je suis chanteuse aussi. Non, c'est très important, la musique. Et au cinéma ? Ouais. Oui, c'est délicat au cinéma, parce que je trouve qu'on en fout souvent des tartines et des tartines, la musique. On est à l'affût de musiques vraiment précises, quoi, qui ressemblent pas à toutes les musiques de films un peu hollywoodiennes. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu vraiment créatif, vraiment un peu original, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va vous séduire en premier alors dans un film de genre ? Franchement, je peux être séduite par tous les genres, mais c'est un dosage assez délicat parce que on va parler évidemment de l'inconscient, de plein de choses. Ça peut être hyper psychanalytique et tout. Ça peut être passionnant. Dès que c'est un peu gros, bon, on a compris. On a vite compris, ça c'est dommage. Et j'aime aussi quand on ne sait pas exactement le début des films. J'adore toujours au début parce qu'on ne sait jamais où ça va partir. On a peur un peu de tout et on ne sait pas dans quoi on va être embarqué. Et ça, je trouve ça génial comme émotion, quoi, d'être un peu aux aguets. Puis j'aime quand ça dure le plus longtemps possible, ce mystère, quoi. Qu'il y ait plus de questions à la fin du film que de réponses. Ah, tiens, on est dans ce genre-là, ok, on s'embarque pour 1h45. J'aime bien quand c'est en suspens. Ouais. Bah, c'est ce doute qu'on avait dans le fantastique littéraire. Hein. On avait toujours cette dualité. On se posait la question de savoir ce qui se passait était surréel ou alors c'était vraiment un problème psychologique vécu par le personnage. Et est-ce qu'il y a un monstre qui vous a... Alors je vais dire traumatisé quand vous étiez jeune, et puis un qui vous a plutôt attendri ou touché. Ah oui. Oh non, mais c'est un peu ridicule, parce que le premier souvenir vraiment, la chose qui m'a un peu traumatisée, vous avez rigolé, hein,
C'était un dessin animé, c'était dans Merlin l'Enchanteur, la sorcière qui se transformait en cochon. Et j'ai enfermé la cassette dans mon placard, vraiment, j'avais une peur irrationnelle de cette transformation, quoi. La métamorphose, je pense, c'est... Ouais. Ah oui, donc là, vous avez eu peur, là. Ouais, j'ai eu vachement peur, plus que jamais, en fait. Et un mot, ce qui vous a attendu. Et puis après, l'histoire sans fin... Enfin, c'est si beau, c'est si abouti, je trouve. Je trouve ça tellement beau sur les mondes parallèles. Comment un monde imaginaire peut faire tenir la réalité sans que le reste du monde ne le soupçonne. C'est magnifique.